Alors, le plus calé, hein, vous savez ce que c'est, évidemment, mais vous, c'est la première fois qu'on vous a sur le plateau. Donc, le plus calé, eh ben, ce sont des questions autour d'un thème, d'accord? Un thème en rapport avec le sport ou la musique. Aujourd'hui, ce sera parole de sportif, d'accord? Je vous pose des questions. Il y a trois propositions, A, B ou C. Il faut écrire sur les petites ardoises. Et puis, l'équipe qui a le plus de points remporte un point, d'accord? Ça va? On se concentre pas. Comment? On prend une équipe. Oui, en équipe. Donc, une ardoise hein, par équipe. Okay. C'est bon? Vous avez le droit de vous concerter. Et puis, faites attention. Voilà, cachez bien, parce que souvent, il y a des yeux qui se promènent sur ce plateau. Alors, donc, le thème, je vous le rappelle, parole de sportif. Vous aussi, à la maison, vous pouvez jouer avec nous. Hein, tester vos connaissances, c'est très important. Et ça ne fait pas de mal, d'ailleurs. Première question. Qui a dit « Je préfère être le premier et rien dans les poches que riche et d'avoir la deuxième place ?» Qui a dit ça? A. Mohamed Ali. B. Mike Tyson. C. Floyd Mayweather. Je pense à Mike. A, B ou C? Mohamed Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather. On va prendre B. On peut avoir A, B ou C? A. Okay. Mohamed Ali, A. B, Mike Tyson, C, Floyd Mayweather. On va essayer B. Et on ne triche pas. Vous êtes à l'écran, en gros plan, hein, donc on voit hein, ceux qui se baladent là. Hein. On y va, retourner les ardoises. J'ai du B, B pour tout le monde. La bonne réponse, c'est la réponse B. Oui, une célèbre citation de l'ancien boxeur professionnel américain né à New York le 30 juin 1966. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Fonsigneux? C'est mieux d'être premier avec rien dans les poches que d'avoir beaucoup d'argent et être deuxième? Ouais. Ah ouais. Oui? Il a dit non. Ah non? Vous préférez quoi? La première place avec sans argent ou non, l'argent? Non, avec l'argent. Ouais. Première place avec l'argent? Ah, ouais. Ah bah ouais, donc vous voulez tout, quoi. Hein? Ah. Attendez. Et vous, ami? Oui, c'est pareil. Première place avec l'argent. Ah ben bah ouais. Donc bah on y est. Ah oui. Ah ben bah oui. Allez, deuxième question. On gagne plus avec le cœur, avec la volonté, qu'avec autre chose. Ça vient de qui? A. Novak Djokovic. B. Rafael Nadal. C. Roger Federer. On gagne plus avec le cœur, avec la volonté, qu'avec autre chose. Tu penses à B? Moi, je pense à C. A. Novak Djokovic. B. Rafael Nadal. C. Roger Federer. On y va. Allez-y, vite, 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 on écrit. Et on lève les ardoises. C et B. Levez bien les ardoises, qu'on les voit bien. Voilà, c'est ça. J'ai du B, j'ai du C. La bonne réponse, c'est la réponse B. Oh là là, la flèche. Le tennisman espagnol, Rafael Nadal, a déclaré cela. Autrement dit, le talent ne suffit pas. Eh ouais, le talent seul ne suffit pas. Troisième question. Bon. Pas évident ce soir, hein, le thème, parole de sportif. Bon, écoutez bien. Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Qui a dit ça? A. Romario. B. Maradona. C. Zlatan. Colombo. Mais j'ai fini avant eux. Il dit mon nom. Attention, hein, attention. Romario, Maradona ou Zlatan? Arriver dans la surface et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. On y va. On lève bien haut. J'ai du B et j'ai du C. La bonne réponse, c'est la réponse B. Ah, ah oui. Donc Maradona, hein, évidemment. Les deux autres ont également des propos fracassants, hein, mais celui-là vient de Diego Maradona, malheureusement décédé. Hein. Ça aurait pu être Zlatan, hein, cela dit. Ouais, ouais. Moi, j'aurais pu me tromper. J'aurais pu me tromper, parce que ça lui ressemble bien. Quatrième question. Zidane? C'est moi et Michael Jordan réunis. Qui a dit ça? Est-ce que c'est A, Michael Jordan lui-même, B, LeBron James ou C, Magic Johnson? Zidane, c'est moi et Michael Jordan réunis. Est-ce que ça vient de Michael Jordan, LeBron James ou Magic Johnson? On y va. J'ai du A et j'ai du B.
La bonne réponse, c'est la réponse C. Ah. Magic Johnson. Eh oui, la star des Lakers. Hein. Il n'était pas bon que sur les parquets. Il avait également le verbe pour décrire son propre talent, ma foi. Mmh. Hein. Zidane, pardon, c'est moi, et Michael Jordan réunis. Allez, cinquième question. Il y a 6 questions, hein, je vous préviens. Donc, 5e question. Si vous vous inquiétez de votre performance, vous avez déjà perdu. Ça vient de A, Michael Phelps, B, Tiger Woods, ou C, Usain Bolt. Si vous vous inquiétez de votre performance, vous avez déjà perdu. Michael Phelps, Tiger Woods ou Usain Bolt. On y va. C'est pour les deux équipes. La bonne réponse, c'est la réponse C, absolument. Véritable légende du sprint. Le Jamaïcain hein, qui a pris sa retraite en 2017 nous indique le secret qui lui a permis de monter si haut. Ne pas s'inquiéter. Aussi simple que ça. Un peu comme la flèche. Sixième et dernière question de ce plus calé dont le thème est parole de sportif, hein, je le rappelle. Les joueurs africains n'ont pas beaucoup de passion pour représenter leur pays. Qui a pu dire une chose pareille? A. Neymar, B. Cavani, C. Cristiano Ronaldo. Wow, fort hein. Ouais. Les joueurs africains n'ont pas beaucoup de passion pour représenter leur pays. Neymar, Cavani, Cristiano Ronaldo. A et B. On y va. On lève les ardoises. B et C. La bonne réponse, c'est la réponse A, Neymar. Ah. Oui, Neymar a fait cette déclaration en juin 2021, alors qu'il était avec le Brésil à la Copa América, remportée par l'Argentine de Léo Messi. Eh bien, on verra bien s'il a raison pendant la CAN. Alors, je fais mes petits calculs. Égalité. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La team qui remporte ce point, eh bien, on va donner un point aux deux teams, oui. 3 points partout, absolument. Alors, ça fait 2 pour Babyslam et 1 point pour la flèche. Ouais, ouais, ouais. Enfin. C'est pas mal, hein, la flèche qui a ouvert son compteur. D'accord, on n'a pas encore fini. Je pense qu'il est temps de l'envoyer de pointe là. Ok, bon, vous savez qu'il y a un jury d'experts hein, qui est en régie. Hein. Ah oui, 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 avec un huissier de justice. Et c'est eux qui attribueront le dernier point. Ah oui, oui, oui. Bon, eh ben, écoutez, sur ces beaux pas de danse,